Haute de sécurité. Allez, cette fois-ci, là, il est parti, il est parti avec les entrées d'interdiction, qui a fait les gens de part, il y a un gosse à se trouver, fermé, voici. Jean-Sébastien Vigeon, Jérôme Rossignol est deuxième, le numéro 30. Un superbe départ de Jérôme Rossignol, le numéro 30. Et lui, on n'attendait pas à départ est fait. La troisième place est pour Olivier David. Damien Babin, numéro 15, est là en troisième position. Avec Ludovic Tigat juste derrière. Yvon Suzanne. Moins de 6 tours de l'arrivée. La tête pour Jean-François Vigeon. Ah, ça va relancer le championnat, cette manche. Ah oui, non, Gilles Zaragoza, alors qui était pourtant, eh ben, bien parti. Il en reste plein. En 8e position, très loin, Gilles Zaragoza. Enfin Gilles Zaragoza au numéro 8, il est enfin Gilles. Ouais, tout le monde est repassé devant. Ouais, il passe carrément à travers, tout comme Suzanne Thibault qui s'est enfermé là-bas. Il est pris, Suzanne Thibault, le 45, est pris dans la glaise. Ouais, pris dans la glaise, Thibault Suzanne, le 45. Allez, non, alors ce qui est surprenant, c'est le petit Rossignol. Allez, attendu son heure pour chanter, le petit Rossignol. Allez, il va siffler le Rossignol, je vous garantis, il va chanter. Alors qui était, ben, pas trop bien parti tout au long de cette journée. Il s'est retrouvé là, et ben, en deuxième position, attention là-bas. Il ne faut pas que le pilote ait gêné les leaders. Ouais, il est reparti, c'est bien. Ah, Ludovic Tigat qui revient très très bien sur Jérôme Rossignol, moins de 3 tours de l'arrivée. Deuxième place pour Ludovic Tigat, numéro 3. Troisième place pour Jérôme Rossignol, le numéro 30. Bah, c'est le dernier tour, il va falloir tenir pour certains pilotes. Ne pas se dégénérer et y arriver jusqu'au bout. Attention de ne pas s'accrocher là-bas. Ce qu'a fait d'ailleurs, eh bien, Ludovic Tigat. Ouh!
failli aller à la faute, Ludo. La victoire arrive, voici, et ça a relancé le championnat. Victoire de Jean-Sébastien Vidal. Je remonte. On va faire les circons dans le gyrocar. Il va monter sur la plus haute marche du podium et surtout il va remonter en égalité avec le champion, le leader de Championnat de France. Je demande d'applaudir Jean-Sébastien Vigion, le pilote de Guéret de la Creuse. Voilà Jean-Sébastien Vigion, il est heureux avec cette victoire. Et bien maintenant ils sont ensemble pour le titre de champion de France. Tout va se jouer à Bordeaux, Falaise dans 15 jours. Ça va être super. Sur les routes, 3, Ludovic Tigane, bravo Ludo. Et celui qui nous vient de la Saône-et-Loire qui a pratiquement pas fait grand chose tout au long de cette journée. Il a attendu la finale pour faire un podium, c'est merveilleux. Jérôme Rossignol sur la troisième place. Bravo Jérôme. Voilà mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir ces trois pilotes. Allez, et je demande de crier